Bonjour, bienvenue à Tourrette-Levens. Nous allons vous raconter l'histoire de la première chaise bleue et c'est ici que tout a commencé. Comment tout a commencé? Oh là là, j'étais petit. J'étais petit, j'avais 7 ans. Et c'était vers 1950. Et j'allais à l'école à Tourrette-Levens, l'école primaire. Et sorti de l'école, mon père, il ne m'a jamais laissé sans rien faire. Et quand M. Ballanger, son père, est venu apporter une commande de fauteuils, je crois qu'il y avait 800 fauteuils, mais 800 fauteuils, c'était énorme. C'était le travail de 6 mois pour mon père. C'était, je dirais, presque le début de la fortune, parce que mon père, c'était un petit artisan, un petit ouvrier, il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais là, 800 chaises, on appelait des fauteuils. 800 fauteuils, c'était la commande du siècle. On va s'asseoir, hein, parce qu'on parle mieux assis que vous. Hein. L'histoire a commencé là. Ce qu'on peut appeler la saga des chaises bleues a commencé là, parce qu'elles n'étaient pas bleues au départ. Elles étaient tout à fait différentes. C'était des chaises pliantes d'abord. Après, les chaises pliantes ont été peintes en bleu, comme elles sont ici. Elles étaient bleues et au départ, elles étaient vertes. Donc, on va démarrer à partir de ce moment-là, sur doucement. On va à peu près, on va avoir une création de fauteuils qui vont être des fauteuils, tout d'abord en espèce de jonc, très, très large, très lourd, et disons confortable, mais fragile. Très important, fragile, parce qu'ils étaient uniquement en bois. Et on va commencer comme ça, on va avancer. Donc cette période qui va durer, parce qu'elle va passer, on va passer la guerre au milieu de tout ça, parce que l'entreprise ne s'arrête pas, les maires changent. À un moment donné, on va avoir, donc dans l'intermédiaire de la guerre, on va avoir un autre maire que M. Jean Médecin, puis M. Jean Médecin va revenir donc après les élections, après la guerre, et il va y avoir entre-temps, donc, une modification permanente de ce qui va devenir la promenade des Anglais. Lorsque j'ai retrouvé M. Louis Tordeau, je le connaissais de nom, je le connaissais absolument pas visuellement, et je connaissais la famille Tordeau parce que mon père faisait faire les fauteuils à Tourrette. Et en 1950, il monte donc à Tourrette-les-Vins, il rencontre le père de M. Louis Tordeau, et ensemble, ils conçoivent un fauteuil qui va être fait d'une certaine façon, avec un certain bois et une certaine, disons, couleur. Et donc, la chaise bleue naît à ce moment-là, elle naît à Tourrette-les-Vins. Et c'est mon père et M. Tordeau, donc le père de M. Louis Tordeau, qui vont la créer de toutes pièces. Aussi bien pour la structure, que pour la peinture, que pour l'assemblage. Donc, il y a 3 choses. Et c'est la convergence des 2 esprits et, en somme, de celui qui sait faire et celui qui a l'idée qui vont amener ce qu'on va appeler plus tard la chaise bleue. Pourquoi bleue? Parce que la mer est là, elle est bleue, et le ciel est là, il est bleu, et on est sur la Côte d'Azur, donc ça ne peut être que bleu. Voilà. Quand le monsieur Ballanger est venu pour ses chaises bleues, tout de suite, ça a jailli. C'est un peu comme quand vous mélangez 2 bons produits, il en est le troisième parfait. Voilà, ils ont fait les premières chaises et puis il y en a commandé, je vous ai dit, 800. Pour nous, c'était la commande du siècle. Et alors, quand je sortais de l'école, comme j'étais petit, j'ai un an de moins que Gilbert, et on nous livrait les boulons avec l'écrou monté. Et nous devions, avec ma sœur, dévisser les boulons, dévisser les écrous, pour les séparer, pour les mettre dans les labes de bois, pour les monter. Et ce travail, ce n'était pas ma mère qui allait le faire, parce que ma mère, elle aidait mon père, et ce n'était pas mon père, parce que nous, on pouvait le faire. Et à 7-8 ans, on démontait les écrous. Monsieur Ballanger avait demandé à mon père, Charles Tordeau, de les lui réparer, si vous voulez bien lui les réparer. Et il les réparait. Alors, il montait avec un camion de Nice, avec les chaises cassées ou abîmées, pour les réparer dans la petite rue Général Tordeau que vous avez peut-être vue tout à l'heure. Et là, il regardait les points faibles de cette chaise.
Et tous ces points faibles, il les a, compensés. Je prends par exemple de la traverse qui est haute, il l'a mise plus basse, ce qui fait que le pied ne se tordait plus. Parce que le fauteuil, quelquefois, ils étaient pris par la mer, mais quelquefois, ils tombaient du camion aussi. Hein, donc, le pied était tordu. Et un fauteuil tordu, ce n'est pas un fauteuil qui se louait. Donc, s'il ne se louait pas, ben, ce n'est pas une recette. Voilà. Et mon père réparait ses fauteuils au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il apportait des petites modifications. Finalement, ce fauteuil est construit au nombre d'or, à la section dorée de Pythagore, sans le vouloir. Parce que j'ai pris les mesures dernièrement pour refaire des fauteuils, et je m'aperçois que vraiment, le nombre d'or était là. Pourquoi ? Parce que mon père l'avait dans l'œil. Et M. Ballanger, lui, il avait dans l'œil le côté commercial. Qu'est-ce qu'il a de faire ? Quand il lui a proposé le fauteuil, un beau fauteuil préparé à quelqu'un qui a une bonne vue, eh bien, il le trouve beau. Et c'est pour ça que ça a marché. À l'époque, dans la conception même de ce travail, il y avait des chaisières. Et ces chaisières, elles étaient, l'été, elles faisaient les 3-8. C'est-à-dire que les chaisières travaillaient le matin, elles travaillaient l'après-midi et elles travaillaient le soir. Elles travaillaient le soir, donc jusqu'à minuit à peu près. Et c'était, donc c'était un travail qui était permanent. Et il y avait, à l'époque, vous aviez un contrôleur qui passait et qui vérifiait si les gens donc, avaient bien payé les sièges sur lesquels ils s'asseyaient. C'est l'époque des quartiers, c'est l'époque des festins, c'est l'époque du pays niçois, comme malheureusement, on n'a plus. Ces chaises-là, mon père les réparait donc. Mais tiens, ces chaises-là, elles avaient ici un rivet. Le tube était percé, passé de l'autre côté, il y avait une rondelle et un rivet. C'était du fer plat, c'était pas un tube. Non, je vais te dire. Il y en avait un tube. Oui, mais pas beaucoup. Non, pas beaucoup parce qu'elles rouillaient. Et c'est un point faible, ça. Alors, mon père a dit à M. Ballanger, il a dit, je vais faire une charnière. Et ces charnières-là, je m'en souviens très bien, parce qu'elles sont faites, vous voyez, c'est juste fait pour éviter qu'on perce le trou, qu'on perce le tube, donc ça rouille, et elle ne se pliait plus. Les chaises bleues de la promenade des Anglais, c'est les premières chaises bleues qui ont été faites. Ça. Voilà. Et là, vous êtes à la fin du circuit, là. C'est quand elles sont finies. Mais là, on les fabrique. Ah, Louis, il n'est pas... Mais là, si on va un peu plus loin... On va vous suivre. Là, on les voit brutes. Ouais. Oui. Alors, on ne voit pas la fabrication, parce que la fabrication est faite à Lyon. Et c'est une machine, un découpe laser qui fait ça. Ah, c'est les premières... C'est pour montrer que c'est pas un produit qui vient de l'étranger. Hein. C'est fabriqué en France. Voilà. Il y a ça. Vous avez la pièce qui est ici découpée, mais pas pliée. Et là, vous avez la pièce pliée, prête, pas encore prête à envoyer à la peinture, parce qu'il faut encore la brosser. C'est différents stades de fabrication. Et là, ça va faire un peu de bruit, ça fait rien. Il est là ? Il vient ? Ça y est, ça va partir. Ça arrête le doigt. Non, le fort, c'est pas trop quand t'arrives au fort. Non. Là encore un peu. Encore un petit poil. Stop. C'est bon. Tu vois. Ah, tiens, c'est vraiment comme avec.
après, c'est l'étape de la peinture. En fait, on les envoie encore dans une autre opération pour les passer dans une tribofinition. C'est-à-dire, ce sont des petits grains de pierre abrasive et les pièces vibrent à l'intérieur. Et donc, on polie tous les angles. Et quand les angles sont polis, après, on les met à la peinture. Pour l'année 2017, nous pensons refabriquer des chaises grandeur nature, comme celles qu'on a vues, selon le modèle d'origine, toujours avec les quatre barreaux, et qui est le modèle du premier plan de la première chaise bleue de la promenade. Et elles seront estampillées TB, du nom de Tordo Ballanger, les deux créateurs de la chaise bleue. Nous nous trouvons dans la boutique où nous avons créé des petites chaises bleues miniatures pour souvenirs. Donc vous verrez la première chaise bleue, parce que tout a été créé selon le modèle et le plan d'origine. Donc la première chaise bleue que nous avons déclinée en version un petit peu plus utile, où l'on peut mettre des serviettes en papier et d'autres, le courrier du jour ou d'autres articles. Nous avons également fait les chaises triples. C'est la dernière génération, on la reconnaît aux trois barreaux dans le dos. Les premières en avaient quatre. Et mon grand-père qui a fabriqué donc ces premières chaises. La première chaise bleue a bien été fabriquée à Tourrette-le-Vins grâce à Jacques Ballanger et à Charles Tordeau. Tous deux ensemble l'ont pensé et l'ont fabriqué. Donc la chaise bleue, c'est bien eux qui l'ont créé, fabriqué.